Allô, allô? On est de retour? Bon, bonjour. Vous savez pourquoi c'est long? C'est parce que je mets trois plombes à quitter ce putain de Nvidia. C'est bon, ça s'est lancé direct, c'est parfait. Bonjour, bonjour. Non, mais ma question c'était, il te manque quoi à ton valo, tu vois? Genre, à ton avis, quelles sont les raisons du fait que tu sois bronze? Ça se trouve, t'as juste pas encore trouvé les bonnes raisons. Ou juste c'est Riot qui veut pas ton bonheur en fait. Ça arrive souvent. Hein. Riot qui veut pas le bonheur des gens. Croyez-le ou non. Du coup, elle est partie, super. J'espère que ça va, mesdames et messieurs. Je vais juste remettre mon setup. Ça se trouve, vous m'entendez pas. Ça se trouve, je parle et vous m'entendez même pas. Vérifie. Ah si, je pense que vous m'entendez en vrai. Hop. On met ici twitch.tv/alcor.tv. On met ça là. Ok, mesdames et messieurs. Ah, faut que je débranche et je rebranche la manette. Welcome to... D'ailleurs, on va peut-être faire qu'une seule run, hein, je sais pas. C'est vraiment un live chill hein, ce soir. Hein. Je pense qu'on va faire une run et qu'on va train après les Watchers. Je sais pas, je sens que les Watchers ça va être un problème. On y va. Et c'est mardi. Bienvenue sur le live. Moi je suis trop nul au FPS, c'est un vrai problème. En fait, c'est... Enfin, je suis trop nul. Je suis peut-être pas trop nul, mais je me sens trop nul. Parce que comparé à tout ce que j'ai pu faire sur les autres jeux, genre des jeux de stratégie comme StarCraft ou LoL, où j'ai beaucoup joué à l'époque. Hein. Putain, Lucas, tu m'as pas connu à mon pic de League of Legends, mais... Oh, si t'avais vu. Si t'avais vu ma Riven top lane, là. Bref. Où je me trouvais pas dégueu, on va dire. Ça va, mais pas dégueu. Bah putain, sur les FPS, je me suis jamais trouvé bon, quoi. J'ai trop un niveau en dents de scie. Le coffee and the tea. Voilà ce que j'apprends. Ah, mais je pense que tu peux passer des étapes, non? Tu peux pas dire que t'as un niveau quand même de base? Parce que t'as un niveau quand même, coffee and tea. Tea and tea. Puis j'ai un niveau sur Hollow Knight. Ok, ça veut rien dire, mais... J'ai appris à l'écrire, quoi, surtout. Ah, c'est vrai qu'il y a l'écrit... Il y a l'écriture. Je savais pas que... Je savais pas l'écrire particulièrement. Il y avait Kofi, pas Kofi. Ah, l'erreur classique. Je comprends, je comprends. Après, tu verras que finalement... C'est surtout l'oral qui va t'importer quoi. Parce que l'écrit, tu vas pas en faire beaucoup à mon avis. Mais des fois, voir le mot aide aussi à le retenir. Hein. Donc c'est bon à prendre. Ça c'est sûr. C'est bon à prendre. Imagine, je rencontre un Américain, faut que je lui envoie des textos. J'avoue. Imagine. Le truc c'est qu'à l'écrit, tu pourras normalement toujours avoir le temps à peu près pour aller chercher les infos que t'as pas. Alors qu'à l'oral, si l'Américain te parle en face to face et qu'il te dit do you want a coffee, va falloir lui répondre. Hein. Mais en vrai, oui, t'as raison. T'as raison, c'est tout autant intéressant. T'imagines? Moi, quand je suis parti aux States, j'étais pas encore autant à l'aise en anglais qu'aujourd'hui. Et j'avais ma copine de l'époque qui était bilingue. Hein. Elle avait fait 3 ans d'études en Angleterre, machin et tout. King's College, King's College à Londres, tout ça, tout ça. Je parle pas. Je l'écoute, je le regarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, j'ai pas eu le 6. 1, 2, 3. Ah, ça rase. 1, 2, 3. Pas ouf. Et du coup,
En Angleterre, elle me... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Elle me laissait parler sur tout. C'était catastrophique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Et du coup, moi, j'étais en mode, non, mais vas-y et tout. Et en fait, bah, elle me laissait me démerder. Et honnêtement, t'arrives à te faire comprendre, en vrai. C'est pas parfait, tu vois, mais t'arrives à te faire comprendre. Je ferai ça plus tard avec les gens qui voyageront avec moi, qui sont nuls en anglais. Putain, quand on est allé en Espagne avec Lucas, là, je tentais de parler espagnol, mais l'espagnol, c'est catastrophique. Hein. Je disais à Lucas, comment on dit ça et tout, parce que Lucas est trop fort. Il me disait machin, 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 je lui demandais de répéter 10 fois, je devais lui casser les couilles. Mais voilà. On avait commandé, une fois, on était allé à un resto, on voulait juste bouffer, là, on voulait des tapas. On était en mode, donnez-moi des tapas. Oh, oh, j'ai fait tomber ma hornette que mon frère a fait. Oh putain, j'espère qu'elle est pas cassée. Oh putain, sa race. Et je peux pas regarder là. Note à moi-même, ne pas voyager avec JB. Mais non, mais je vous jure, ça fait apprendre. Hein. Oh putain, sa race. Tout bien d'habitude chez toi, dis donc. Non, 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 mais elle est pas cassée. Je me dis qu'elle est tombée sur un peu des câbles ou des trucs comme ça et qu'elle a été un peu retenue. Vas-y, j'ai pas envie qu'elle soit cassée, elle est incroyable. Après, elle sera authentique, hein. J'ai envie de dire, Hornet, on la tabasse dans le jeu, hein. Ok, elle a l'air d'aller bien. Il y a juste son épée qui est partie, mais elle était séparée de base. Il faut juste la remettre dans sa main. Mais là, elle a l'air d'aller bien, elle est quand même face au sol, quoi. La tête face au sol. Au moins, tu sais où elle est. Exactement. Putain. Après, elle est gigantesque, hein. C'est pas évident, hein. Oh merde, y'a eu personne sur la route, ça fait chier, faut que je fasse 1, 2, c'est giga long. Allez, fireball skip, let's go. Ah, je l'ai pas très bien fait. Heureusement que j'avais fait un bon saut au début. Et c'est 11 secondes d'avance, mesdames et messieurs. Vous voyez? Un tout début de run très difficile à rattraper. Mais par contre, après... mais là, par contre, ça va être dur de keep. C'est ça le truc, c'est que... Donc, quoique jusqu'à Mantisco, ça devrait aller. Si je fais pas l'imp, genre pareil. Parce que là, il peut se passer des dingues, hein. 99 gold, on est bien en gold. Wow. J'ai perdu une seconde à faire ça. Je l'ai pas très bien fait. Ok, deuxième fireball skip. Ok, il est bien. Et là, on va éviter de se faire toucher comme on le fait à chaque fois. Sur lui, là. On va le taper tôt. Très bien. Troisième fireball skip. Voilà, c'est pas compliqué le jeu. Ah putain, je pouvais pas sauter au-dessus, mais... Il y avait le faux mur. Ah, je vous la montrerai, la figurine d'ailleurs, je sais même pas si je vous l'ai montré sur le live, elle est incroyablement belle. Elle est incroyablement belle. Easy. Ça va en vrai, hein. Ah, j'ai pas eu de chance par contre là. J'ai perdu 2 gold, mais c'est pas grave. Il a pas pris la double fireball. Pas grave, ça arrive. Du coup là faut que je tape tout le monde. Ah super. C'est pas grave, ils se sont bien alignés. Oh non. Et là. Dommage, normalement on peut le faire en un. J'ai pas pu. Allez, on tape pas le mur. Parfait. Nous on fume. Parfait. Oh Fall Guys, incroyable. Fall Guys en parallèle, mais je sais ce qui se passe ici, donc ne faites pas de dinguerie. Mais je sais ce qui se passe ici.
Kratos, Lucas, putain. Ah, Lucas, c'est un génie de Fall Guys d'ailleurs. De toute façon, Lucas, clairement, c'est un joueur que vous voulez avoir dans votre équipe quand vous jouez à un jeu. Ça, y a pas de secret. Il est tellement chaud à tous les jeux. Il est bon FPS, il est bon au RTS, il est bon au TPS. Attends, on peut mourir là, attendez. Ouf. Ayez un Lucas dans votre vie. Hein. Vraiment. Je sais pas s'il est bon au RTS en vrai. Il est bon à Civ. Il est bon au Tactical Game, mais je crois que. Que JB t'aime bien Lucas. Non mais Lucas, je vous jure que c'est un être exceptionnel. Hein. Mais je pèse mes mots. Hein. Là on dirait pas, on fait genre que je dis de la merde, mais. Mais c'est vrai. Hein. Ok. Ich. Ich. Ah, mais c'est quoi cette tête, Léa? C'est réciproque. Moi. Je crois. Merci, merci, merci. Non! Bah voilà, bah je sais pas si c'est réciproque. Hein. J'irai d'être un peu plus fort aux jeux vidéo. Oh là là, je prends le hardfall et tout. Oh, j'ai pas le dash. Oh là 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 là. Quelle catastrophe. Oh non, pas par là. Oh là là. Oh. Ok, on a rien vu. Attends, j'ai 10 ans à avoir trop. Ah, mais oui, mais t'es un boss d'Age of, c'est vrai, putain, je suis trop con. T'as pas trop joué. Putain, on sait jamais fight sur SC2. Je suis plus un joueur de SC2, même si j'ai un peu joué à War 3 et pas mal joué à Age of à l'époque. Mais t'as plus dosé Age of que moi. J'ai joué 2 heures à SC2, ouais. Toi, t'es un gars, t'es un historien, toi. Il te faut un contexte historique. Je comprends pas votre langage. Starcraft 2, tu connais Starcraft 2. RTS, c'est Real Time Strategy. Attendez. Mais merde, putain. Oh, ok, il fallait absolument que je touche un bonhomme. J'ai eu la chance de pas tomber tout en... Oh, remarque, j'aurais pu toucher. Oh, là, c'est une catastrophe. Faut que je fasse gaffe, là. Oh oui, oh oui, Dieu est avec moi, hein. Vraiment. J'ai perdu du temps, hein, mais pas tant que ça finalement. Elle m'a attaqué? Oui, hop, il y a eu le split. Parfait. RTS, et, bah, tu connais un peu ou pas Age of Empires, Léa? C'est les jeux un peu bah, dits de stratégie où tu contrôles plusieurs unités en même temps, tu dois attaquer, t'as ta base, tu dois développer ta base en parallèle. C'est ça les RTS. Les plus connus étant Age of Empires, je pense, et Starcraft, à mon avis. Warcraft aussi, à l'époque. De nom seulement. Ah, je vois, je vois. Faut pas être parfaite. Hein. C'est tellement un style de jeu que j'aime bien, mais qui demande déjà beaucoup d'investissement. Civilization, pas vraiment. Parce que Civilization, c'est pas trop du real-time strategy. Civilization, c'est plus un city builder stratégique, on va dire. Mais il y a un peu de ça quand même. Il y a un peu de ça quand même. Mais Civilization, c'est des cases et c'est du tour par tour. Enfin, même si t'as des modes où tu peux jouer en un tour en même temps, on va dire. Alors que là, les RTS, c'est vraiment du temps réel pour le coup. Oh non. C'est-à-dire que... Bah, le temps est commun, c'est pas du tour par tour quoi. Ouais, tu es vite en vrai. Mais Civilization incroyable hein. Et Lucas kiffe ce jeu. J'aime trop le jeu aussi. Un, deux, trois. Ok, parfait. Il est en bas. Je crois qu'il y a même du Civilization sur cette chaîne, sur la chaîne YouTube, et c'est avec Lucas. Je sais qu'il y a du Humankind, qui est du même style que Civilization, mais je crois qu'on avait fait une game de Civ aussi un jour. Je crois. Hein.
On va sûrement jamais finir comme toutes les games de Civ. J'ai extrêmement long. Même si on peut jouer plus vite, mais. Ok, là on fait exprès de se tuer. On va faire la technique du lac. On va voir si ça va marcher. Avec le Shadow Skip avant, bien évidemment, mais ça, on connaît la chanson. Pas de dinguerie, pas de dinguerie, pas de dinguerie, pas de dinguerie, pas de dinguerie. Allez, c'est parti. Let's go! Eh, c'est propre! Et franchement, j'y arrive assez souvent, ouais. Content. Ah! Ah! Et là, c'est toute l'avance que. Je l'ai déjà perdu, toute l'avance que j'ai gagnée en faisant le skip. C'est parfait. C'est parfait. Ok, je peux ramasser en net. Et là on a un morceau. Ça, ça fait plaisir. Je ramasserai son épée après. Ah, elle est tombée. Oh non, le socle. Oh, le socle il est pas... Oh putain. Je crois que le socle a pris cher. Merde. Après s'il y a que le socle, ça va, je peux le recoller ça. Non ! Fin de la run. Putain, je suis tombé. Au pire moment. Putain, j'arrive plus à l'avoir le timing, faudrait vraiment que je le calcule. Je suis deg, j'avais fait une bonne run là. Déconcentre là. Ouais, bon après. C'est pas grave. Hein. Ça me stressait de pas savoir l'état de ma statue là. Non, net. Elle tient. Hein. Je pense qu'il est pas cassé le socle. C'est juste qu'il il a dû la fixer forcément plier comme ça. Je pense que tout va bien. Là, elle tient debout, elle est nickel. Elle juste pas son arme. Et on la récupérera plus tard. J'ai l'âme d'Ornette avec moi. Putain, j'ai perdu 12 secondes. Mais c'est la chute, hein. C'est pas grave, ça se trouve, on va mourir au Watcher. C'est pas très grave. Oh, imaginez, on PB pas à 10 secondes près. On pourra se dire que c'est à cause d'Ornette, peut-être, qui est tombée, que je me suis déconcentré. Et donc à cause de mon frère. Comment elle a pu tomber par contre? Parce que là où elle est, je sais pas comment elle a pu tomber. Hein. Vraiment. Je l'ai entendu tomber. Et merde. J'ai essayé de passer en dessous mais c'est pas passé. J'ai perdu beaucoup de temps. Ah mais il est là lui. Non mais vas-y, c'est abusé. J'ai pris un dégât, fuck. 1, 2. Je me heal.
Bon, ça sera pas un très bon chandelier. Hein. Ouah, je savais pas si j'allais pouvoir taper là. C'est passé. Oh oui, ils sont collés. Ça, ça fait plaisir par contre. Donne un énergie de plus, on prend. Let's go. Ça se passe, ça se passe hein. Bon, j'ai du retard sur le chandelier comme prévu mais... Je galère en saut à chaque fois là. Ouais, 6 secondes 7, close. Let's go. Allez, on se concentre. Je pouvais pas. Ok. Oh, pas de chance. Ça, ça va par contre. Ce qu'il fait. Oh, 3 secondes 5 de gagné. Oh, salut, Sequest 34 000. 34 000. Non. Qu'est-ce que je fais? J'appuie pas sur mon bouton. Ok. C'est bien passé en vrai. Le Watcher là, c'est Greg de News. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ce que je me disais. J'espère que tu vas bien, Greg. Pourquoi Sequest d'ailleurs? Ornette va bien, Ornette va bien, Ornette va bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 secondes de vacances. Ah, ça. On connaît. Regardez, j'ai l'aiguillon là. Je le remettrai dans sa main tout à l'heure. Enfin, je dis qu'on connaît, mais en fait, j'étais pas en vacances moi. J'étais pas du tout en vacances. J'étais pas du tout en vacances. D'ailleurs, les gens de ma team sont plutôt partis en vacances là cette semaine que la semaine dernière, plutôt que la semaine dernière. Quoi, c'était une première marque de disque dur qui faisait 20 MI, t'imagines 20 MI? Je sais même pas ce que c'est des MI. Des I? C'est quoi des I? Moi je connais les octets mais... Ou les bits? 20 MO, ah! Ah ouais, 20 MO le disque dur, c'est pas grand chose hein. C'est pas grand chose hein. Ok, let's go. Oh, le walking storage, let's go. Ah, j'ai pas fait le dash. Ah, je l'ai pas touché. Je dois me démerder avec les deux là. Disque dur SQ325F de 25 MO utilisant le codage MFM. Je suis trop vieux pour ça, Greg. Non, pas que t'es vieux, hein, pas du tout. Hein. Une folie.
À l'époque, ça devait être une dinguerie, non? À l'époque, ça devait être une dinguerie. Franchement, une run à 20 secondes de retard, c'est propre, hein. Bon, il y a Umu qui va... Si on fait un Umu double ou pas... On va tout tenter pour le tout cycle Umu, mais... C'est pas dit, quoi. C'est une dinguerie, genre les jeux qui tenaient sur 15 disquettes. Faf, c'est un, tu m'étonnes. Une autre époque, hein. Swapé à la main, chargé en une fois, ouf. Tu m'étonnes. J'ai quand même connu les jeux à plusieurs CD. Oula. Oh, j'ai géré. J'ai quand même connu. Où au bout d'une certaine partie du jeu, bah fallait insérer la partie 2 du jeu. Mais c'était des CD, quoi. Mon père avait des disquettes, je vois à quoi ça ressemble et tout, mais... Et je crois que j'en ai déjà inséré dans un PC, on va dire. Mais voilà, quoi. Et c'était genre Lost in Game, je crois. Ouais, non, mais c'était incroyable. Et mon père, il gravait des DVD. Faites pas ça chez vous, c'est interdit. Enfin, je sais pas. Bref, on s'en fout. C'est prescrit maintenant. Et du coup, on avait plusieurs DVD pour un même film, parce que des fois, les films étaient trop gros. Et pareil, du coup, il fallait passer au DVD 2 et tout. C'était en plusieurs parties. C'était un truc de fou. Oh, si t'es vieux à ce point, c'est que t'es vieux. Hein. Ça commence à dater tout ça. Dans une seconde 9, ça va. Aussi, mais j'avais plusieurs films sur un CD. C'est ça. C'est ça, c'est la petite diff. Incroyable. Ok. Ok, je me concentre. Crystal Peak, c'est parti. Un des moments préférés de la run. Quand tout se passe bien. Non! Eh merde. Genre pas comme ça. Là on a perdu un peu de temps. Et 2 PV en plus, ça fait mal 2 PV. Les DVX. Ah ouais, non mais c'était un truc de fou ça. Hein. C'était un truc de fou ça. Bon, vu qu'on a du retard, on tente. On tente ça là. Let's go! Et il revient, hein! Il revient, hein! 480p. Ah mais la qualité était horrible. Hein. Après en perso on affiche ça sur l'écran du lecteur CD portable là que tu mettais dans la voiture. Donc en fait l'écran était tellement petit que finalement tu mets ça aujourd'hui, un gosse il dit mais qu'est-ce que tu fais, rends-moi ma tablette. 1, 2, 3. Je suis quand même passé là parce que j'ai pas envie de prendre de dégâts. J'ai attendu. Fuck, j'ai pas le droit de faire ça. Ah pourtant j'étais bien positionné et tout. J'ai dû faire un poil gauche sans faire exprès à un moment. C'était trop bien. Qu'est-ce qui était trop bien? Regardez Bob l'éponge dessus. Ah sur les DVD portables là. Et ouais hein. Lecteur DVD portable, c'était fou. Pour des parents ça a sauvé des voyages je pense. Les Wings. Putain, nous aussi, regardez les Wings. Putain, je suis deg, j'avais bien réussi. Je me suis juste pris. J'ai juste tapé le mur, quoi. J'ai bonk. Et pas trop bien ce passage, trop fluide et tout là. J'ai l'impression que je fais des dingues alors que pas du tout. Oh non! Oh dommage ça! Oh, c'est dur le jeu hein! 6 secondes de perdu là-dessus. Franchement, à cause du bonk hein! Sans le bonk, je suis bien! Parce que ça me fait revenir, recharger le plateau, machin et tout. Allez, on s'en va sur Umu! Je sais pas si on peut encore PB là. Peut-être si on fait un Umu en 2 cycles, on peut peut-être PB en vrai. 27 secondes. Si je fais Umu en 2 cycles et Acid Skip numéro 1 Acid Skip numéro 2 pardon en 1
dois parler chinois pour ceux qui viennent pas tout le temps, souvent sur la chaîne. C'est speedrun, hein. On est langage de speedrunner all night. C'est marrant, j'ai fait un petit saut. Déjà, assist skip numéro 1. Avant de penser au 2. Parfait. Dire que ça, je... Je me suis jinx tout seul. J'allais dire, et dire que ça, je galérais au début à pas prendre de dégâts. J'ai pris un dégât. Voilà, je vais comme ça du coup. Hop, bien bas. Hop là. Allez, pas de dégâts sur la première là, sinon ça va être chaud. Et merde. C'est pas grave, tant pis, on va se démerder comme ça. On aura une vie en moins sur Oumu. Quoique non. Je peux me heal deux fois là, non? Je suis full là. Je sais pas si je suis full. Je crois que je suis full là. Je me heal deux fois. J'étais full. J'ai bien fait. Ça devrait aller du coup. On est en condition normale. C'est bien placé. Y'a plus qu'à. J'ai envie de me tuer. J'ai trollé. J'ai raté le premier coup. J'aurais peut-être pu faire un Oumu en 2-1. Il était placé pour. Oh, je suis deg. Et merde. Bon, j'ai 2 PV quand même là-dessus. Oula, il va réattaquer là, non? Ah non, j'ai de la chance. Pas ouf, pas ouf. Et ouais, 20 secondes de perdu, hein. Oumu pas en 2, 20 secondes de perdu. Putain, il avait tout fait pour que je puisse le faire en 2. Et j'ai raté le premier coup, quoi. Ender, j'ai voulu tellement anticiper. My bad. C'est pas grave. Mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Des fois, mes sauts, je vous jure, c'est une dinguerie. Je relâche le bouton A et j'ai l'impression que la manette me dit que je l'ai pas relâché. Ok, pardon. J'ai défoncé la manette. Ok. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Allez, on se fait une belle fin de run, une belle fin de run. On pourra pas PB, 50 secondes c'est impossible. Le Oumu en 2, ça va être dur. Hein. Mais une belle run, allez. Après ça va, j'avais déjà 27 secondes de retard, donc y'a pas de problème. Au moins ça ne met pas de pression pour la fin, pour train la fin sans pression, avec une belle run. Sûr. Putain. Ça, ça fait chier. Parce que je perds une chance de acid skip. Et je devrais, même si j'arrive en 1, me heal. C'est con ça. Allez. Dommage. Ok, c'est comme si je l'avais fait en 3, c'est pas mal. En termes de heal. C'est pas mal. On y va. Plus que je régène sur lui. Parti. Wouah, j'ai cru que je m'étais pris le truc. Oh.
J'ai peur là. Très bien. Pas très bien. Putain! Je lâche trop tôt. De quoi je mets une maintenant, je pense, hein. Putain, si j'avais pas pris ça, tout était parfait pour l'instant. Le dash est bon. Ok. Ah, mon saut est nul. Il est bien placé, c'est cool. Ok. Pas ouf. Pas tomber à cet endroit. Faut vraiment pas tomber. Ah non! Oh fuck, j'ai perdu du temps pour rien! N'hésitez pas à boire de l'eau chez vous, mesdames et messieurs. T'as cru que j'ai ouvert la bouteille, mais non. Je me suis renversé l'eau. Alors, est-ce que je me prends le run killer ou pas? Est-ce que je me prends le run killer? Eh, j'ai de l'avance, hein! 10 secondes. Ok, je prends les deux coups par contre, ça c'est pas de bol. Du coup je dois me mettre ici. Et là on repart comme si de rien n'était. Ça c'est bien joué. Faut que j'en touche deux. Ok c'est bon. C'est pas mal. Je peux prendre un dégât. On réfléchit pas, on y va. C'est bien, c'est propre, hein. Si je m'étais pas fait troll par le truc d'en bas là, je sais plus comment il s'appelle. C'est random malheureusement. Le dévore. C'était bon, hein. C'était bon, si je m'étais pas fait niquer par le dévore, j'aurais pas eu besoin de me heal. Tout est passé, nickel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va regagner un petit peu de temps, je pense. Pas beaucoup, mais peut-être 5 secondes. 6 secondes 7. Propre. Allez, on se fait un ball au night et on est pas si mal, hein. Sub 36-30, hein. Sub 36-30, c'est propre, hein. En run comme ça, casu, là, où je perds 20 secondes sur Omo. Enfin, je perds 20 secondes. Et je tombe surtout. Je perds surtout 20 secondes sur... Oh le bâtard. C'est pas grave, j'accepte le dégât pour aller vite. La question c'est, est-ce que je prends le banc? Non. On s'en fout. Propre. Ouais c'est pas mal hein. Merde, je sais pas si je dois faire ça vraiment, faut que je regarde le PB. Faut que je regarde le world record de ce qu'il fait là. Je sais pas ce qu'il fait. Honnêtement, je sais plus. Je sais plus. Ouh, j'ai relâché un peu tard. Ok ça va. J'aurais pu perdre 3 secondes gratos ici. Ok, on y va. Bon, j'ai une vie en moi. Une vie en moi, va falloir gérer. Merde. Ok, ça c'est bien. Bon après mon PB il fait un très bel Hollow Knight hein.
Donc ça va être chaud. Surtout que j'ai une vie en moins. Donc forcément un heal. Après si je prends que deux coups ça va. Dans l'idéal moins mais... 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ok. C'est parti. Ça, ça sert à rien. Bam! Allez, boss final. Let's go! Quoi? Oh, c'est pas de bol. Il est parti si loin? C'est rare qu'il fasse ça. Oh là, pareil. Allez. On se met dedans, on se met dedans. Mais. Je me fais troll, c'est pas possible. Viens te battre au corps à corps, toi. Voilà. Voilà, tu peux pas reculer parce qu'il y a un mur derrière toi. Ok, là t'as reculé. Qu'est-ce qu'il me fait? Merde. Faut plus que je prenne de dégâts dans l'idéal. La phase est encore longue. Hein. Ah non. Oh merde. Putain, je pensais que la phase était encore longue, mais pas du tout. Ah, je perds un peu de temps. Ah oh, fuck. Putain, mais j'ai fait une giga première phase en fait. Du coup, il va me faire des dingues, je pense. Ah, tu peux pas monter dans les airs là? Non, ça c'est pas mal. Ok, non, pas ces airs là. Skin skip. Ah, j'ai pas skin skip, je perds 5 secondes. Ah, c'est violent ça. Et merde, dommage. Bon, c'était pas mal quand même. Et avec le scream skip, mais j'ai gagné du temps? Non. Oh, avec le scream skip, c'est 3,42. Ah non, non. Non, non, moi je perds du temps. Non, non. Mais ça me fait gagner 5 secondes le scream skip. Hein. Donc, scream skip, je bats mon PB. Bon, on est à 3 secondes de retard. Ça va, ça va, ça va. Bon, c'était pas mal, hein? Il l'a fait tenir. Ah, mais je crois que ça, ça s'est cassé quand même. Et merde. Mettre un point de glu. Parce que l'arme. L'arme s'est pas cassée, mais sa main s'est cassée. Sa main s'est cassée. Mettre un point de glu. Bien, ouais, je merci, merci, merci. Alors, attendez. Putain, mais comment elle a pu tomber, quoi? Elle est si loin du rebord. J'ai dit, elle s'est tournée, mais non, sa tête se tourne. Ah, malheureusement, le socle, il a pris cher aussi. Putain, je suis deg. Regardez d'ailleurs, je voulais même pas montrer. C'est où? Regardez la giga ornette que mon frère m'a fait. Elle a même son arme et tout. Bon, normalement, elle la tient là. Non. Qu'est-ce que je fais? Ah ouais, ça s'est cassé de fou. Hop là. Elle la tient comme ça normalement. Après, sa tête, elle pivote. Ouh! Elle est incroyable. Bon, en vrai... Il faut juste que j'arrive... Ah, putain, mais je pourrais plus la faire. Si, bah ok, il faut que je recolle ses pieds. Bon, elle va rester couchée. Faut que je recolle ses pieds et que je recolle sa lance. Je suis deg. Je suis deg de l'avoir pété. Putain. Je vais regarder si je retrouve son bout.
Ah, je trouve pas son bout. Putain, mais c'est fragile ces trucs aussi là. En cristal là. Putain, mais elle est par terre maintenant. Après, en vrai, son corps est pas cassé. Et c'est tout ce qui importe. Parce que le socle, ça va être très facile à réparer. Juste que je mette de la colle là, que je fasse ça. En fait, j'ai sa tête qui peut faire balance pour la faire tenir. Oh, je suis triste. Attendez, je regarde si j'ai pas de la glu. Mais j'ai de la glu comme ça, mais ça tiendra jamais, ça, je pense. Je pense qu'il faut que j'achète de la super glu fixation forte plus, non? En plus, là, je vais faire un truc dégueulasse. Je vais arrêter ces conneries-là. Voilà. Et j'achèterai une vraie glu ultra forte. Ultra forte. Je crois que j'en ai quelque part. On l'a vu, au moment de geste bruit, ça va repartir. Ouais, mais de toute façon, après, c'est fragile de base. Hein. Le truc, il est pas censé bouger, il est juste. Putain, j'ai dû pousser mon tapis sans faire exprès, ça a poussé l'ornette. Ouais, non, c'est pas de la glu comme je veux. T'avais un truc ultra précis là. Oh putain, j'ai trouvé. J'ai ça là. Ça, c'est banger ça. Et en fait, il faut mettre ça, je crois. Voilà. Ça, c'est banger, ça. Ça, c'est un petit tube de glu. C'est pas mal. Attendez. On est en travaux pratiques. On refait une run juste après. Hein. Je vais mettre là-dessus, parce que je m'en fous s'il y a de la glu là-dessus. Ok, viens là, toi. Ah ouais, mais attendez, je vais la poser là-bas. Te colle pas les doigts. Ouais, c'est clair. C'est qu'il prend une autre ampleur. Attendez. Vous êtes un peu loin, mais voilà. Hein. Bon, écoutez, tentez un truc, on verra ce que ça donne. Elle est là, elle bougera pas toute la nuit. C'est marqué ultra rapide. Hein. Je sais pas si j'en ai mis assez, je voulais pas trop en blinder. Power glue ultra rapide contrôle. Écoutez, on verra. Hein. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'on va refaire une run, hein. Oh non. Elle a perdu son socle. Putain, c'est trop fragile!
Jamais je pourrais la recoller sur son socle. Si? C'est impossible. Oh putain, Sarah, c'est trop dur. Bon, écoutez, je crois qu'elle va... Mais non, mais mets pas tes doigts, j'y vais. Je crois qu'elle va finir sans socle, hein. Je vais la mettre dans un pot. Ok, attendez, comme ça elle peut peut-être tenir. Attendez. Je reviens après pour faire du gaming. Hein. Bon écoutez, soit elle tient là, soit elle tiendra jamais. J'écris le résumé demain. Pas de soucis, Greg, bonne soirée à toi. Soit elle tient là, soit elle tiendra jamais. Écoutez, je dirais à mon frère de faire un socle avec des petits embouts pour ses petits pieds. Et comme ça, elle pourra revenir. Oh, je suis dégoûté. Mais j'ai toujours le knight qui est là. Putain, je suis dégueu. Bon, je garde tout là. Mais comment j'ai pu la faire tomber, quoi? Je suis vraiment un boulet, hein. Je suis vraiment le plus grand des boulets, moi. Je vous jure, on repart en run. Elle était bien la run en vrai. Finalement. J'ai bien aimé, hein. On n'a pas fait de gold. Merde. Ok, j'ai un doigt qui colle, c'est parfait pour la manette. Let's go. Bonne nuit à ceux qui vont se coucher. Oups. Reposez-vous bien. Courage pour la journée de taf de demain, bien évidemment. On est ensemble, hein. Hop là. Putain, en plus, demain, je vois... J'ai une stagiaire dans mon équipe. Je vois son responsable de l'école. Première fois que je fais ça. Voilà, tout simplement, c'est tout.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Du coup, voilà, c'est l'après-midi. Je vous tiendrai informé. Je sais pas s'il y aura un stream demain d'ailleurs. Parce qu'il y a une soirée de prévue à l'ancienne. Ce qui est assez rare finalement. Donc je sais pas encore si j'irai ou pas. Mais il y a moyen que j'y aille. Je resterai pas très longtemps parce que le taf le lendemain. Mais il y a peut-être moyen que j'y aille. Hop là. Oh. Ok. Un dégât, ça arrive. Allez, double spike, peut-être. Un, deux, trois, quatre et... Pas double spike. Pas beaucoup de thunes d'ailleurs. Un petit peu quand même. Wouhou! Ok. Ah ouais, on a fait des bons watchers. On a fait un... Non, Lumou, je l'ai trollé à pas le toucher au début, putain, vraiment. Hein. Mais sinon, c'était un vrai Lumou. On a fait un assist skip en 2, même si j'ai pris un dégât. Bien ça. On a fait tous les skips fireball propres, on a fait le cut mantis propre, on a fait le cut fireball explosion propre, pogo explosion propre. C'est une belle run en vrai juste avant, hein, franchement. On perd 20 secondes, franchement j'ai 50 secondes de retard je crois. Je perds 15 secondes sur la chute au niveau de la phase de plateforme avant le Dream Nail. 20 secondes sur Umu. C'est ça qui fait mal, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, j'ai pas le 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, je l'ai pas non plus. Boum. Là, je perds du temps aussi hein, avec ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 6, 6. Wouhou! Ta 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 ta. Six secondes de retard, ce n'est rien. Je fais souvent 6 d'ailleurs. J'aime bien le chiffre 6. Pour ça. Oh super, j'y vais. J'ai besoin de faire un aussi grand saut là. Oui. Merci petit badger, tu as été très gentil. Le mob en un. Paf. Un, deux. Trois, quatre, cinq, six. Parfait, ça mieux que tout à l'heure. On prend un petit set au passage. Non !
Putain, j'ai rien. Je sais pas pourquoi. Je suis pas resté assez longtemps à droite, je crois. Fuck. Ah là, j'ai gâché toute l'avance que j'aurais pu prendre. C'est pas grave. Enfin, malgré tout, j'ai de l'avance, c'est un truc de fou. Hein. Sur le PB, je me suis bien fait niquer quand même. Ah, là, je pouvais pas passer. Bon, ça va taper les oiseaux. Ah, là, c'est skip. Ouais, c'est skip. Fireball skip. Ok. Fais pas n'imp. Wow, c'était close. J'ai la thune, c'est bien. Putain, je suis le plus grand des trollers. Oh là 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 là, je me déteste. J'étais mal positionné avec mes mains. Mes doigts glissent. C'est catastrophique. Bientôt, on joue au talc. Hein. On joue avec du talc. Oh, comment ça défoncerait la manette de jouer avec du talc? Oh, pas de chance. Perdu un gold, c'est pas grave. Que j'ai pas besoin de lui, hein, parce qu'il est parti si loin. J'ai fait nimp. J'ai up slash au lieu de slash sur le côté, quoi. Ça va, ça m'a pas coûté grand chose, mais un peu de temps. Voilà, en net, là, va falloir la faire fast. On va avoir du retard. Hein. Ouais. Ah non. Je suis dégueu. Wow, elle était chelou cette Hornet, hein. Chelou, j'ai bien rattrapé le temps. On a fait une Hornet fast, mais très chelou. très chelou. Allez, pour l'instant, on est sur une bonne run classique, on va dire. Mon but, c'est aussi de regular run. Donc entre moins 5, plus 5 par rapport au PB, on va dire. Essayer de pas dépasser une minute sur le temps max à la fin, finalement. Comme la run d'avant d'ailleurs. Au plus on fera des runs à moins d'une minute à la fin, au temps max, quand on joue la run, au plus on aura de chance d'avoir des runs godlike. Donc on prend ce qu'on a. De toute façon, j'aime bien run le jeu comme ça. Ça me saoule de faire plein de resets à chaque fois, de refaire tout le temps le début du jeu. Au début, j'avais un peu le problème. Ah, fuck, ça fait deux fois que je me fais avoir ici. J'avais un peu le problème du je resetais tout le temps. Ça m'est un peu parti et c'est plutôt cool. Non, c'est dingue que je me prenne. Ah, c'est parce que je veux micro petit, mais du coup j'inventory drop instant, mais du coup je me fais un chouïa trop tôt. Ah non, j'ai raté un dash. Hop, du coup je perds du temps là. Pogodash. Hop. Allez, Pogo Explosion, un bon Pogo Explosion. Let's go.
Mantis, skip. J'ai re-eu le bug là. Putain mais en fait c'est pas un bug, je pense que je positionne juste mal mes doigts. Ça skip, on y va. Et en fait je positionne mon stick d'une manière à ce que je pogo sur place et pas sur le côté. Enfin et pas en diagonale. Ça y est, je pense que j'ai compris le problème. C'est ma position de stick. Alors, 2 secondes, c'est bien, hein. C'est pas tant que ça, 2 secondes. On a fait un bon, bon skip en plus avec la menthe là. Fait pas nimp. Ça fait gagner un bon bout de temps. C'est propre ça, ça c'est propre, c'est ce qu'on veut ça. Ça c'est pas ce qu'on veut, ça c'est pas propre. Eh bien. Gold, on est très bien. Hop. Allez, le gros mover de tout à l'heure était incroyable. Ah, bah dommage. Encore ? Putain, on s'est fait troller par Grossmover là. Dommage. J'ai encore eu un saut qui était très chaud, putain. Un, deux, trois. Wow, c'est que je close ça. Du coup j'ai gagné du temps mais c'était risqué. Hein. Oh, c'était lent. Qu'est-ce qu'il y a, Léa? Boum. Boum. Papalala. Allez, un beau shadow skip. Un petit skip lac. De retour. Vous jouez un mauvais tour? Ah non. Bon, je le fais quand même. Oh, j'ai perdu tellement de temps du coup. Et merde. Et merde. Sur ce Star Wars là. C'est vrai. Putain, j'ai trollé. Après, c'est pas grave. On n'est pas en run où on veut PB. Du coup, j'ai bien fait de m'entraîner plutôt que de me dire fuck. L'entraînement avant tout. C'est le mot d'ordre pour l'instant. Arnett est toujours en place. On parle pas avec Chaos de tout de rien. On apprend pas la vie. Non mais c'est clair hein. Mais je vous jure que c'est... Le fait de parler d'autre chose, ça met mon cerveau en mode pilote auto. Mon cerveau il marche bien en pilote auto. Ça c'est sûr que les... tous les PB que j'ai fait, les derniers gros PB que j'ai fait, c'est avec un début de run en mode pilote auto. Ah là je prends du retard mais... Eh pas tant que ça hein. C'était un 2-2. Alors que j'ai fait des conneries là.
Putain. Ton chien monte pas sur le bureau aujourd'hui. Mais Léa, elle devrait surtout dormir là, à cette heure-là. Ah bah, il va piquer demain. Ça continue, non. Non, non, ça devrait aller. Allez, on fait un beau passage ici. Pas de bol pour lui. Mais tant pis. Et paf. Elle s'est endormie dans... Oh ça c'est sûr. Je pense que c'est plutôt ça d'ailleurs. Ils étaient trois. C'était bien. Ça m'a fait triple énergie d'un coup là. Puis un coup qui était pas parti. Ouah j'ai rattrapé. C'est comme on l'a réveillé, il faut crier. Wow, j'ai failli crier là d'ailleurs. Un bon cri, non. Je pense qu'en vrai pour mieux la réveiller, il vaut mieux faire un cri. Ouais, le bébé, let's go. T'es comme ça. Et ça se dira, mais non. Le bébé. 1, 2. On a fait un bon truc là. Enfin. Tu fais ça au début de run. Ou histoire de bien la motiver pour la garder. Après ça durera pas longtemps je pense hein, le comment dire. Le tricks. Pas le tricks mais vous avez compris quoi. Faites de la berner. Oh non! Ah fuck. Le hack, ouais. Faites de la berner, quoi. Oh, 0,4 du bébé. Allez, les watchers, exactement. C'est parti, j'ai beaucoup d'énergie. Ah bah super. Ça me servira à me heal, parfait. Oh non, deux fois. Mort. Ouais ça va, c'était rapide quand même. Et je veux en dire. Il va faire une dinguerie lui. Il a fait une dinguerie. Alors là je suis passé entre mais je sais pas comment. Ah dommage j'étais passé. Je pensais que j'avais une énergie. Oula. Oula c'était risqué ça. Ouais. Grid. Je grid pas. Je suis allé dedans. Il a bugué. Lui aussi. Wouah. Deux secondes de moins. Wouah. J'étais à plus un HP. Putain, ils ont tous les deux bugué.
C'est-à-dire qu'il faut savoir que ces watchers ont trois patterns. Soit ils nous attaquent, soit ils roulent, soit ils nous rebondissent dessus. Et il y a un bug sur le rebond qui fait que normalement ils rebondissent deux fois en allant dans la même direction. Et en fait c'est un bug qui fait que sur le deuxième rebond ils rebondissent sur place et ils retombent très vite. Et du coup j'avoue que une fois qu'ils ont le bug ils feront toujours ça, donc et voilà. Deux petites secondes de retard. Oh putain, mais là encore, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vous jure, il y a un problème avec la manette. Là, ça m'a fait un gigasaut alors que non, j'avais aucun problème avec l'autre manette. Ça, je vous jure que ça m'énerve. Voir ça, ça m'énerve. Bon là, ça me coûte rien. Mais je sais pas pourquoi ce bouton A, il reste appuyé en fait des fois. C'est ça qui est trop chiant. Putain, le prix de la manette en plus. Je vous jure. Coûte cher, hein. Coûte cher cette manette. Putain de merde. On a PB avec, mais Morissette... Ça s'appelle Morissette la manette. Déjà, elle règle pas le problème de snapback. Quand même, hein. Oh bah, j'ai raté deux dash. Ouais. Oh, j'ai failli prendre le rebord mais je l'ai pas pris. Pixel, littéralement. On a vu qu'il s'est pris le rebord, il est quand même monté. C'est beau. Après je le martyrise dans le bouton A, mais je vous jure que l'autre elle bug moins. Je donne encore un peu sa chance, mais peut-être qu'un jour on repassera sur l'autre, hein. L'autre, le seul problème qu'on avait, c'est le bouton d'inventory drop. Mais du coup je l'avais changé et ça allait mieux. Là pour le coup le bouton d'inventory drop il est safe. Si je rate l'inventory drop c'est que j'ai fait de la merde. Ça peut arriver. Dommage parce qu'en main elle est incroyable. Moi tu devrais tenter l'ouverture de la manette et le nettoyage. Mais elle est neuve la manette. Elle est neuve. Elle est neuve, hein. Tu sais, je l'ai dit trois fois. Non, l'ancienne. Ah, l'ancienne. Ah, l'ancienne peut-être, ouais. Ouais, peut-être. Ça oui. Après j'ai pris celle-là surtout pour voir si ça allait résoudre le problème de anti-snapback. Enfin de snapback plutôt. En fait non. Parce que l'autre en vrai, le fait d'avoir décalé le bouton, ça me gênait pas trop, je m'y étais habitué. On était à 300 gold, il nous manque 1 gold. On a donc trop de thunes parce que là je peux en ramasser 35 facilement. Dommage. Eh, j'ai gagné du temps. Putain, ça fait longtemps que j'ai pas gagné du temps ici. Bah voilà, je parlais, je suis pas concentré sur la run. On gagne du temps. Oh putain, ça c'est rare ça. Oh putain, 2. 3. Alors ça casse les couilles, hein. What the fuck? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis fait jinx instant. Il y a des kits de changement de joystick. Non mais en vrai le snapback je l'ai résolu avec mon logiciel donc ça va.
C'est pas non plus ça qui me fait chier. Oh, ça va mieux, ça, je suis content. En fait, ce que j'aime bien avec la nouvelle manette, c'est que déjà, là, je trouve une très très bonne prise en main. Et surtout, elle a un cercle de joystick plus grand. Ce qui fait que, bah, il faut que je me réhabitue, mais du coup, je suis potentiellement plus précis, forcément. Il faut habituer. Et j'avoue que ça, j'aime bien, quoi. Et merde. Alors là, c'est la grosse merde. Ah, ce que je viens de faire. Oh là 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 là, c'est catastrophique. Hein. Là, faut passer là. Pas le choix. Ah putain. Oh là 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 là. Oh là là là, ce que ça m'a coûté. Ce que ça m'a coûté, le fait de prendre le mob au début là. Damn. Faut pas prendre un dégât là. Hein. Ouais, pas de raison. Et là, je peux pas faire le move classique. Donc on monte en haut. Voilà. Oh non. Oh, je vais être off timing. Oh putain, ça va être serré de fou. Tous les sauts vont être serrés. Ça s'est joué à un dash dans un mur. MDR. Un dash dans un mur. Bon, on va finir la run, mais... Je suis deg. Un dash dans un mur. Putain de merde. Au moment où en plus j'ai pas de chance parce que j'ai pas de vie en plus, je veux dire. Damn. Alors ça, c'est vraiment pas de bol. Putain, mais comment j'ai pu prendre ce mob déjà là? Là j'ai rien pris, putain. Ça race. Bon, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un fail sur Crystal Peak. J'ai envie de dire, c'est pas grave, hein. Oh là là. Ah, ça j'y arrive, c'est cool par contre. Ouais, plus précis, ouais. Oh non. Putain. Après, je suis pas encore habitué à 2000%. Ça, le truc aussi. La prochaine rush, je l'essaierai peut-être avec l'ancienne manette pour le fun. Putain, ça aussi, ça me dégoûte. Plus long quoi, genre let's play là, c'est du pur troll, ouais. Il faudrait que je fasse deux runs d'affilée. Le prochain live où on fait deux runs d'affilée, sûrement ce week-end, je ferai une run avec l'ancienne, une run avec la nouvelle et une run avec l'ancienne. Par contre, il est où, elle est où mon ombre du coup? Ah mais elle va pas du tout être au bon moment l'ombre. Elle va être en plein milieu là? C'est pas possible. Ah non. Elle est où? Elle est là. Ça va. Heureusement qu'ils la mettent là. Hein. Putain. Bon bah un petit retard de 2 minutes là-dessus. D'accord. C'est pas grave. Ah, c'est joué quand même à pas de bol, hein, parce que je prends 3 dégâts de nulle part là sur le premier tableau. Et après je dash dans le mur à un pixel près quoi. Et ça c'est toujours pareil, hein, c'est la micro-optime où tu veux dash de plus en plus tôt, de plus en plus vite. Jusqu'à ce que, ben, en fait là t'as dash trop tôt et trop vite. Globalement c'est ça le deal. Mais un jour ils paieront. Ces petites opties. El Perron. Allez, c'est skip numéro 1.
2 secondes 18, ça va. Ouais, c'est clair, hein. On est large, hein. Oh, je l'ai pas touché. On est large. Et merde. En vrai, je l'aurais pris. C'est pas plus mal. Bien, bien. Un peu loin. Le premier asset skip, tu joues quasi jamais. Ah oui, mais parce qu'il est beaucoup plus large le premier. C'est normal, c'est normal. Le premier, il est tellement large. Parce qu'en fait, on a plus de hauteur. Et du coup, c'est beaucoup plus simple. Et il n'y a pas de dash à faire. Tu descends sur la plateforme, tu appuies sur ta touche. Du coup, il n'y a pas le dash. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Putain, mais il faut que je me concentre. Hein. Alors que l'autre, faut sauter et dash au bon. Allez, descends bas, descends bas, descends bas, descends bas. Ok, ça devrait aller. Allez, on peut le faire en deux, hein. On a train. C'est possible. C'est bien, c'est bien. Il a fait le bon pattern. Il est pas très très bien placé, on va voir ce que ça va donner. Let's go. Ou moins en deux. Putain, mais j'ai perdu 3 secondes. C'est que mon PB il fait un Oumu en deux et le chemin jusqu'à Oumu il est incroyable aussi. Incroyable, let's go, on est content là. On est content de réussir ça sur une run cassée. Putain. Bien joué, bien joué. Oumu en deux, let's go. Et salut Jalamisk. Pardon, Jalamik. J'espère que tu vas bien, bienvenue sur la chaîne. On est en pleine run de Hollow Knight et 10%, tout simplement. On arrive sur la fin de la run d'ailleurs. Et bientôt du coup la fin du live. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. T'étais à deux doigts de réveiller Chaos. Ciao. J'espère que tu vas bien, que tu passes une très bonne soirée. Bienvenue sur cette chaîne où on fait un peu de tout. Mais notamment du speedrun Hollow Knight. À la reconquête de la 5ème place FR que nous avons perdue. Parce que les gens jouent au jeu. Damn. Ok. Allez, asset skip numéro 2. Ça va jouer là-dessus. Franchement, on retire les 2 minutes 15 de moi et on est pas mal. Hein. On a clairement fait un run killer. On a continué la run. Du coup, on pourra retirer le run killer pour voir où on aurait été. Ok, pas mal. Je suis un peu loin. Ça passe. Ah, j'ai dû attendre. Elle était très mal placée, elle. Allez, assez skip. Wouhou. Le saut JB. Oui. C'était un ratable. Ok, en deux. Mais putain, j'étais à deux doigts de le faire en un saras. Du coup, j'ai perdu un peu de temps, forcément, parce que je suis allé au bout. Allez, on y va. Aussi de rien été. Combien de minutes par rapport au PB? Oh, 0,4 par rapport au PB. J'aurais pu me faire. Ouah, j'ai failli me le prendre. Allez, on se concentre sur ça. Parfait. 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 Je sais, ça fait beaucoup de parfait, mais en même temps, faut pas faire n'importe là. Il faut jouer parfaitement, donc. Ouh! J'ai arrêté un peu trop. Oh, elle m'a fait peur.
Elle aussi. Sarah, elles étaient sur la route, hein. J'ai pas besoin d'aller la taper, elle, du coup. Ça fait perdre du temps pour rien. Et j'avais pas besoin. Ah, pixel. Dommage. Bien joué, ça. Dommage, je l'ai pas eu. Quand même essayer de taper lui. Mais si je peux pas, c'est pas grave. Ça va être chaud. J'ai pris un dégât. Est-ce que c'était rentable ça? Je ne suis pas sûr. Ah, elle était trop mal placée. Je suis deg. Allez, allez. Putain, je perds. Ah, j'ai potentiellement niqué mon gold là. On arrive dans la partie préférée des arachnophobes, c'est clair. Ah, j'ai potentiellement niqué mon gold avec mon double saut là. J'ai fait un très très bon... Enfin, j'ai juste pris un dégât, mais pas de chat. Normalement, j'ai fait un bon temps là. C'est quoi, c'est 2-10 mon best? Et mon PB, c'est 2-30. Putain, j'ai 10 secondes à gagner là. Damn. Je suis pas loin du gold, mais je sais pas, le gold c'est maintenant. Putain, je gagne les... Vous savez que c'est une run PB là. Hein. C'est potentiellement une run PB. Hein. J'ai un PB en moins. On va voir. Oh, ça aurait pu PB, putain de merde. Je dois me une ici, par contre, j'ai pas le choix. Allez, on va voir si on aurait pu PB. C'est-à-dire que là, si je fais tout parfaitement, j'aurais pu PB. Après, il y a encore le Hollow Knight, mais... En plus, j'ai de la chance sur eux. Ok, j'aurais pas PB. Parfait. Tant mieux! Finalement. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Faut que je le tue. Putain, j'ai la haine. Fuck, hein. Fallait que je le tue, mais fallait pas que je prenne de dégâts, j'ai pris un dégât. Bon, au moins, no regrets. No regrets. Ah, dommage, hein, allez, c'était presque parfait. Hein. Mais c'est mon PV, c'est mon PV d'avant, il me met dedans, quoi. Ah, c'était close. Close, close. Je perds pas beaucoup de temps, hein. Je perds 5 secondes sur le PV. 5 secondes, 5, hein. Donc à 5 secondes près, c'est run PB. Dinguerie. Dinguerie. Allez, on se fait un bel Hollow Knight. Et puis on se quittera là-dessus. Hein. Let's go. Moi, j'ai tapé. Oh là là, je prends le hardfall et tout. Pas cool. Et... Paf! Putain, ça aurait été une giga belle run. Franchement. T'es chaud. Merci. Bah après, on essaie de travers le jeu. Hein. On eût été 4ème français. Pourquoi je tapais ça? Non, 5ème français, pardon. 4ème jamais, parce qu'il y avait Tinker. Quoique si, 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 on eût été 4ème à un moment, je crois. On est 6ème actuellement parce qu'on n'a pas joué pendant un an et demi. Et du coup, bah on joue, hein. On joue, hein, on est là, hein. Là, j'essaye un peu, j'avoue, de retryhard avant Silksong. Donc la suite de Hollow Knight qui va sortir. Pour essayer de reprendre un petit peu de niveau, potentiellement battre mon record. Que j'ai battu il y a 2 semaines. Rechoper potentiellement une top 50 monde que j'étais il y a un an et demi. Alors que là je suis top 90. Donc ouais, on joue un petit peu, ça va. Mais il y a encore beaucoup d'erreurs quand même. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3,
4. Oh non, j'ai raté 1, 2, 3, 4. Et on est sur le boss final. Dernier fight avant de se quitter. Blam, on va essayer de faire ça propre. Allez. Pas de dinguerie comme tout à l'heure, hein, s'il te plaît, mon pote. Ah bah, il commence par une dinguerie. Ok, ça, ça va. Ça, j'aime. Ça, j'aime. Ça, j'aime. Ok, c'est pas grave. Oh bah oui, on est un peu enfermé là. Ok, on peut se heal parce que là on peut lui mettre que un dégât de toute façon par coup. Par contre, va falloir qu'on se repositionne un moment ou un autre. Faut qu'il me dash dessus là, parfait. Oh non. Oh non. Oh, ça c'est pas cool. Le screen skip va être compliqué. Ah, en plus je prends un coup là. Oh, je l'ai fait bugger. Il a fait droite, gauche, je savais pas où aller. Oh non. Faut que je me heal, j'ai pas le choix parce que si je meurs, c'est fin de la run. Oh, skip, skip! Ok. Ah, ça me tuait. Ok, GG. Ah, j'ai eu le choix. Dommage, j'avais fait un bon truc. Quoi, ça, je c'était, c'était chaud, hein, c'était chelou. Hein. J'avais fait un. Ah, j'avais fait un bon Hollow Knight déjà. Ouais, ouais, on a fini la run, ça y est. On l'a bien martyrisé quand même. Oh là là, à 1 seconde 2 du PB. Ça avait les patterns. Ouais, c'était chelou, hein. C'était chelou, hein. C'était chelou. Mais non, le problème c'est que j'ai pris trop de dégâts, mais foire, c'était dingue. Puis il m'a coincé à droite. On a quand même scream skip. Franchement, on a scream skip dans ces conditions. Je pense que sur un PB, je le fais pas. Genre, si j'ai 10 secondes d'avance, je le tente pas parce que c'est trop risqué. Et là, on a la chance, il me fait le coup et il monte pas dans les airs. Parce que monter dans les airs, c'est plus dangereux. Mais c'était une giga belle run. Hein. On enlève, j'ai pris combien? 2.34 à de 15.5 à 2.34 parce que je suis mort comme une merde. Donc j'ai perdu 2 minutes et 40 secondes. Non mais attendez, c'est pas possible. J'aurais PB? J'aurais PB si j'étais pas mort? Non. Attends. Non, pardon. 2 minutes et 15 secondes. Non, 2 minutes et 15 secondes. 2 minutes et 15 secondes. Donc j'aurais été à 10 secondes du record. Même pas. À moins de 10 secondes. Ah non, si. Ok. À un peu plus de 10 secondes du record. Damn. C'était une belle run. C'était une belle run. Hein. Regardez. 6 secondes de retard. 2 secondes. 5 secondes. 7 secondes. 12 secondes. 14 secondes. 14 secondes. Ça se vaut. Hein, 16 secondes. 15 secondes. Je gagne un peu de temps. Bon, la catastrophe, on meurt. Dommage. Catastrophe, on meurt. Mais après, là, on perd 3 secondes. Égalité, on gagne 15 secondes sur trap bench, incroyable. Là, je me fais. Là, franchement, si ça avait été une run PB, je m'en serais voulu de fou. Mais ça va, c'est pas une run PB. Et après, après ici. 36-05 ? On voit pas là. Comment ça, 36-05 ? Non, j'aurais fait. En fait, c'est simple. Là, sur les 2 minutes 28, on enlève 2 minutes 15. Donc, du coup, en fait, 2 minutes 15, ça fait 15 secondes, on va dire. Ça fait 13 secondes pour être précis. Donc, à 13 secondes du record. On les voit pas. Comment ça, vous les voyez pas? Mais si, vous les voyez, le défilement. Ça bug? Non, ça bug pas. Moi, je le vois. Je sais pas, ça avait bugué? Je sais pas. Mais putain, c'était close! Bon, les amis, si vous voulez la suite de mon aventure pour essayer de regrind le top 5 FR, eh ben, ça sera... On est quoi là? On est mardi. J'avais pas vu bouger. Ouais, peut-être.
Demain, je suis pas sûr de pouvoir être là. Jeudi, je live. Vendredi, je live. Jeudi, il y aura sûrement du Star Wars Survivor. Donc ça sera vendredi soir. Vendredi soir, on va stream fort. Jeudi, c'est mort pour moi. Jeudi, ça sera du Star Wars Jedi Survivor. Tranquillou, je pense, en chill. Parce que j'ai quand même envie de continuer le jeu. Et du coup, vendredi, il y aura du speedrun fort. Et là, sur la fin, j'ai pas de problème avec la manette. Bon, bref. Ça aurait pas de départ des fondateurs de la boîte. Ah ouais, quand même. Mais la soirée, elle a été trop cool, hein. Là, j'ai envie de refaire une run, mais je sais qu'on va finir. Ouais, je me doute. J'ai envie de refaire une run, là, mais je peux pas. Ah là 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 là. C'était si close. Putain, franchement, si on meurt pas, c'est si close. Mais c'est bien, on se rapproche de plus en plus de faire des runs close. Parce que là, 13 secondes, ça fait que je bats mon record, hein, quasiment. Léa qui est encore là. Parce que mon record, il a combien? Mais non, pas résume, putain. Reset. Hop. 35-49, si je rajoute 15 secondes, c'était 36-12 avant. Donc je bats mon ancien PB. Hein. C'est une run qui bat mon ancien PB. C'est ma... Là, si je meurs pas, c'est ma deuxième meilleure run de ma vie. Donc elle est propre, hein. Elle est propre. Et encore une fois, un Oumu en deux. Encore une fois, un Oumu en deux. Damn, on a réveillé Léa. Ouais. Mais là-dessus, on va se quitter, mesdames et messieurs. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? D'ailleurs, je vais faire... Je vais vous laisser avec le petit bruit d'Hollow Knight, ok? Je vous souhaite une excellente soirée. Merci à tous d'avoir suivi, c'était très très cool. Merci aux petits nouveaux qui sont follow. Nous, on se retrouve peut-être demain, mais c'est vraiment pas sûr. Partez du principe qu'on se retrouvera pas demain, mais qu'on se retrouvera jeudi soir pour du Star Wars Jedi Survivor. Et vendredi soir pour du Hollow Knight. Tout simplement. Le skip du lac. Il y a le skip du lac loupé aussi, ouais, en effet. Où j'ai retenté en plus et j'ai raté. En effet. Non, puis même le début est catastrophique. Le début, je gagne pas 15 secondes alors que d'habitude, je gagne 15 secondes au début. Donc franchement, je vous dis que le record, 35-49 là, il peut retomber bientôt. Hein. Il me suffit d'un Oumu en deux et je vous jure que je traîne Oumu. Hein. Quand je joue, quand je suis pas en live, des fois je traîne Oumu, je fais des Oumu en boucle. Et la fin dernière en live, on a fait une bonne session Oumu. Faut juste que je refasse un peu les watchers. Même si ça va, j'arrive. Là, sur les derniers runs, j'arrive à faire des watchers even avec mon PB. Donc ça va. Même si des fois je me prends des dingues. Donc, bah, y a plus qu'un. De toute façon, faut run. Hein. J'ai 28 runs là depuis le retour, c'est pas beaucoup. Hein. Ah, salut Rachid, on arrive sur la fin. Ça va bien, merci. On arrive sur la fin, on se voit demain au taf, je pense. Je vais passer à Céline l'après-midi. Bon, les amis, du coup, je vous quitte. Je suis désolé, je vous laisse là. Comme je vous ai dit, on se retrouve jeudi et vendredi. Peut-être demain, mais pas sûr. Je vous fais des gros bisous. Courage pour ceux qui taffent demain, bien évidemment, pour ceux qui vont se lever. Profitez si vous êtes en vacances. Profitez bien. Et prenez bien soin de vous, tout simplement. Et je vous fais la bise. A bientôt. Ciao, bye bye. Je voulais ma musique dans le night comme ça, à fond, là. Vu qu'il y a un peu de monde, je vais voir s'il n'y a pas un streamer Hollow Knight à raid. Enfin, un peu de monde, on est 3-4, hein, mais... Si vous voulez rester. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait du speedrun? J'ai pas l'impression. Hollow Knight Burnout. Il y a un gars qui fait un 112%. On va le raid, le gars qui fait du 112%. Il a une belle cam. Donc voilà, enjoy. Il a un bon micro. C'est parti. Slash raid. Je connais pas. Hein. Le... Coli Zou, il est sur... Est-ce que je peux le raid? Il a pas bloqué? Ouais, non, il a pas bloqué. Il est sur... Grim Nightmare. Magnifique. N'hésitez pas à lui envoyer de la force, à lui faire un petit coucou. Et puis après, vous pouvez aller vous coucher. Bien évidemment, des bisous à tous. Ciao, ciao.